2 visitors in Second Life, 2 visitors in real life. And the visitor, real visitor photography the screen. Hello. Hello. Welcome. Vous avez filmé ou vous avez pris en photo? Ah bon. Bah, il faut les mettre après sur Facebook. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Merci. Vous avez des origines espagnoles, c'est ça? Oui. Mon père était mallorquin. Ah, il est parti l'avatar. Où il est? Hello, je suis là sur le balcon. Voilà, on le retrouvait plus. Oui, ah. Bonjour monsieur Mouya. Bonjour. Bonjour. Voilà, il y a des personnes. Je vais mettre bien en face pour que vous puissiez prendre la photo de l'avatar. Oui. Attendez, voilà. Là, voilà. Oui. Bonjour. Voilà, oui, merci. Comme ça, vous pouvez prendre une photo. Je ne sais pas si c'est vous, c'est bon, je trouve ça super. Ben. Merci. C'est beau. Oh, c'est beau, hein. C'est superbe. Bonne voilà. Journée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. J'étais enchantée. Merci. Je vous embrasse. Il y a beaucoup de travail. Hein. Ah bah oui, alors. Oh là là. Ah bah oui, alors. Oh. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Oui. Bah, moi, je peux pas vous embrasser là. Je suis dans Second Life. Moi, je peux aller embrasser l'avatar jaune là. Mais attendez, je vais m'approcher. Voilà. 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 J'aurais voulu savoir ce que vous avez voulu représenter sur le mur où il y a des tentacules qui s'échappent d'un téléviseur. Avec les personnages avec un œil. Ah, avec un œil, bah, en fait c'est le cinéma. Comme je raconte toute l'histoire des médias, le cinéma c'est un médium monoculaire. Il n'y a pas de relief, donc il n'y a qu'un seul œil en fait. Donc le spectateur il a qu'un seul œil pour regarder le cinéma. Un peu comme les cinéastes, ils ferment un œil pour faire leur film aussi, pour voir en 2D, à plat. Et c'est pour ça que j'ai mis qu'un seul œil en fait. Et puis c'est moins fatigant à représenter aussi que de mettre deux yeux à chaque fois. Oui, et les têtes, vos têtes sont sciées là aux trois quarts avec des personnages qui partent, vous avez voulu expliquer quelque chose? Ah, je vois pas lesquels. Il y a Pinocchio aussi, Pinocchio avec tous les animaux qui sont... Ah oui, non, d'accord, j'avais pas entendu. Ah oui, bah là c'est le début de l'imagination en fait. Au début il y a le chamanisme dans la première salle, et après le personnage il se libère de ses ficelles et il s'aperçoit qu'il peut imaginer lui-même, qu'il peut créer lui-même ses images. C'est un peu l'histoire de la création en fait, du créateur et de la créature. Qu'est-ce qu'il est? Ah, il est là-bas, il visite. Voilà, bonjour, bienvenue. Là, vous êtes dans la salle du cinéma. Et en face, il y a l'atelier de l'artiste. Ah, il est parti dans la salle... Ça, c'est une salle qui n'existe pas dans l'expo réelle, qui montre les photographies de la réalisation. Oh, à l'étage, c'est pas encore aménagé, mais enfin, on peut voir l'expo vue du dessus. Ça, j'ai créé ça hier soir. Ça n'existait pas il y a encore quelques jours, cette salle. Vous avez rallongé la visite. Oui, maintenant on peut voir la salle vue de dessus. Mais je vais mettre des photos aussi, je vais mettre différentes choses en haut. Ah, vous l'avez rallongé hier? Oui, et on peut même aller sur le balcon de la Malmaison. Par contre, après, pour redescendre, c'est plus difficile. Soit il faut sauter ici, mais on peut pas sauter là. D'ailleurs, je vais mettre fantôme la barrière, comme ça il pourra tomber l'avatar. Ça sera plus pratique. Voilà. Toc. Voilà. Voilà, s'il passe là, l'avatar tout droit, il va tomber. Boum. Est-ce qu'il va tomber? Ah, il peut avancer sur le balcon, il va tomber directement en bas. Ah non, il retourne à l'intérieur. Ah mais il est descendu, oh là, mais il se débrouille bien. Il se débrouille tout seul, il est descendu déjà. Il est descendu, c'est bon. Oh bah il se débrouille. Voilà. Il va vers l'écran. Voilà, on va vers l'écran. En avant. Voilà. Voilà, on est vers l'écran là. Comme ça je vous vois. Voilà. Voilà, comme ça je vous vois sur l'écran. Vous parlez français? Ah ben non, il est parti. Où est-ce qu'il est? Ah, il est déjà parti. Il est parti dehors. Ah, il est parti à l'extérieur. Ah, il y a l'autre avatar qui veut rentrer, mais il n'a pas le droit. Welcome, bienvenue. Mais où est-ce qu'il va? Ah, il est là. Welcome. Pourquoi il tourne? Bah, il s'en va. Ah, il va sortir. Voilà. Ah, il s'est envolé. The fly. Où est-ce qu'il est? Hop, oh, il est parti sur le toit. Bonjour. Bonjour. Ça va, merci. C'est du direct ou c'est du enregistré? Non, c'est du direct. Venez, suivez-moi par ici. Je vais vous montrer, vous êtes sur l'écran. Oui. Je vous vois, vous avez un chapeau blanc. D'accord. Ah oui, il y a une webcam au-dessus. Voilà, ah oui, je vous vois. Vous êtes là. Parfait. Oui, je suis pas tellement joli aussi. Moi, j'ai enlevé mon chapeau quand même. Ah non, il sait bien. Il y a un décalage là. Eh ben, on a bien aimé votre exposition là. Ah, merci. Comme des créations originales. Oui, c'est des souvent ça me représente moi, et sinon c'est des personnages que j'ai inventés pour des événements. On a reconnu quelques allégories comme Pinocchio. Ah oui, ça on le reconnaît bien. Mais apparemment vous vous représentez en ressemblant à Pinocchio. Oui, bah oui. Oui, parce que... Bonjour, l'image est un peu en retard, donc je la vois pas encore. On est ébloui, on n'a pas l'habitude de ce genre de peinture, mais comment dirais-je? Oui, donc des animaux, il y en a qui représentent quelque chose, mais il y en a d'autres qui sont de la pure invention. Par exemple, vos gros animaux, le chat, tout ça, ce sont des gros animaux. Ah oui, puis ils sont habillés en plus, ils ont des slips. C'est de la pure invention, ça. Ah bah oui, parce que c'est pas facile de mettre un slip à un éléphant. Non, mais c'est-à-dire l'éléphant, il devrait appartenir à un Raja qui a fait ci. Oui, c'est-à-dire que récemment, j'ai fait l'affiche du Festival du Cirque de Monte-Carlo avec un gros éléphant. Voilà, oui, c'est ça. Et donc, je réutilise des personnages que j'ai déjà faits pour, différents événements. Mais enfin, vous êtes toujours là, alors ? Bah, je suis souvent devant l'ordinateur pour surveiller s'il y a du monde dans l'expo et pour parler avec les gens. Et ça va rester. Nous allons profiter de votre œuvre tout le temps, alors maintenant à la Malmaison, parce qu'on trouve que votre œuvre ne s'enlève pas. Ah si, ça s'enlève, c'est sur toile. Ah ben voilà, bah oui, ça s'enlève. C'est des grandes toiles, ça dure jusqu'au 2 octobre et après... Merci, monsieur Moya. Merci, à bientôt. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, monsieur Moya. Bonjour. Je me posais une question. Est-ce que vous n'exposez pas également actuellement à Valoris? Oui. J'ai une expo à la salle des quartiers de Valoris et aussi chez Marc Piano, j'ai des masques chez Marc Piano et à la galerie EG, j'ai une assiette qui est réalisée avec le chef de l'hôtel Martinez, le chef 2 étoiles. C'est possible. Oui, donc j'ai vu ces expositions hier.